Monsieur Aïné Hassan, bonjour. Bonjour, c'est Bienvenue Tanguy. sur ActuMatin. Vous êtes consultant en entrepreneuriat des jeunes. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour qu'on échange un peu de l'entrepreneuriat des jeunes, notamment à l'échelle internationale. Petite curiosité, est-ce que les jeunes béninois sont vraiment présents à l'international? Alors, merci Tanguy, merci pour Canal 3 pour l'invitation. De plus en plus aujourd'hui, de plus c'est devenir, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est plus une option, c'est une nécessité aujourd'hui de pouvoir aller à l'international pour plusieurs raisons qu'on connaît déjà, aller conquérir de nouveaux marchés, aller lever du financement, aller trouver des partenaires pour le transfert de compétences. Aujourd'hui, ça commence par devenir une réalité, progressivement. Où est-ce qu'on les trouve souvent, ou de plus en plus? Les jeunes, Les jeunes, à l'échelle internationale. à l'échelle internationale, grâce à notre initiative, ils sont présents, en fait, ils ont des collaborations avec la Turquie. Bientôt, on développera des programmes avec la Chine, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, il n'y a plus d'exclusivité, en fait. Ça s'ouvre partout dans le monde. Et l'Afrique, comme ça s'annonce partout en Afrique, l'Afrique devient plus que jamais, en fait, ouverte sur le monde, plus que jamais. Donc, il n'y a plus d'un endroit précis, mais il y a des Est-ce qu'ils ne pays. sont pas un peu fermés, je dois dire, ou tournés vers ces pays, anciens colonisateurs de leur pays, par exemple? Parce qu'on sait que, bon, c'est pratiquement un réflexe, hein? Quand on a été colonisé par un pays, la première destination qu'on choisit quand on veut quitter son pays, c'est justement l'ancienne métropole. Pas principe, c'est cela, mais la donne change aujourd'hui, progressivement, avec l'avènement de la nouvelle technologie, avec l'avènement du numérique, avec la donne change. On peut aujourd'hui converser avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous. Vous Absolument. pourrez discuter grâce à Internet avec quelqu'un qui parle turc, avec quelqu'un qui parle chinois, avec quelqu'un qui parle N'importe quelle langue. arabe, n'importe quelle langue. Donc oui, il y a une tendance, en fait, d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs, et c'est ce chemin qu'il faut emprunter. Dans quel domaine on les trouve souvent? Alors, les domaines qui sont les plus en vue aujourd'hui, c'est le premier domaine, c'est le domaine de la formation technique et professionnelle, parce que comme vous le savez, l'Afrique, partout en Afrique, est résolument engagée aujourd'hui sur le chemin de la formation technique et professionnelle, qui reste une des solutions pour lutter contre le chômage. Ils sont présents dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la technologie, dans le domaine des énergies renouvelables, notamment les énergies solaires, dans le domaine des mini, en fait, industries qui, avec toute machine, Est-ce que dans les industries? les À mini la mini. machines, en fait, qui permettent de faire une bonne présentation des produits qu'ils Tout à fait, fabriquent, oui. parce que vous savez, en Afrique, il y a de belles choses qui se font. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous allez voir une personne pour la première fois, on regarde d'abord comment il se présente. Donc, on va acheter un produit par rapport à la manière dont est-ce que c'est présenté. Donc, on a souffert longtemps de la manière dont les produits sont présentés en Afrique. Ils sont tournés vers l'emballage. Ils sont tournés vers l'industrialisation des procédés. En fait, tout ce qu'on fait avec la main avant, on veut maintenant passer à la production industrielle progressivement. Donc, oui, il y a une dizaine de domaines qui sont en vue et qui, dans le domaine même du BTP, dans plusieurs domaines aujourd'hui, une dizaine en fait qui font vraiment bruit sur le continent où les jeunes sont très, très, très actifs. Est-ce qu'on ne fait pas erreur en voyant au-delà du continent? Je veux dire, est-ce que les jeunes africains arrivent à échanger, à faire des affaires entre eux-mêmes, plutôt que d'aller au-delà du continent? Ça reste difficile parce qu'on a inculqué dans l'esprit de l'Africain qu'il faut que le Bénin en plus peur en fait des Nigériens à côté de nous que les Français ont peur des Nigériens. Il y a des avions en fait français qui arrivent au Nigeria, je pense, par semaine. Pourtant, les Béninois ils disent qu'ils ont peur en fait du Nigeria. Mais cet esprit est en train de changer. Il faut un travail de fond pour qu'on doit se faire confiance. C'est socioculturel. Voilà, il n'y a pas de développement possible sans la confiance. On doit se faire confiance entre nous. Je suis d'accord avec vous que vous posez cette question. Le Béninois doit pouvoir travailler avec l'Ivoirien, l'Ivoirien doit pouvoir travailler avec le Nigérien, le Nigérien doit pouvoir travailler avec le Sénégalais. Et c'est ainsi que nous allons commencer par se développer. C'est pourquoi nous, dans notre initiative, on ne fait pas voyager seulement les Béninois. En fait, quand on lance notre initiative, c'est ouvert. En fait, tout le monde participe. On finit par fédérer un réseau qui permet des échanges réels, de partage d'expériences et de voyages aussi pour voir ce que l'autre fait, comment ça se passe un peu ailleurs. Donc oui, votre question, elle est très pertinente. Il faut que les Africains apprennent à À travailler faire des affaires entre eux. C'est comme ça que les autres se sont développés. C'est comme ça que les autres pays se sont développés, les autres continents, c'est ce que nous avons aussi à faire. Oui, mais justement, au-delà de peut-être ce sentiment social
ce sentiment d'insécurité avec les Africains. Il y a aussi que les politiques nationales au niveau des pays africains ne favorisent pas ou ne facilitent pas ce commerce-là, ces activités entre les Africains. Se déplacer d'un pays à un autre en Afrique, c'est davantage plus compliqué que de quitter son pays pour aller à l'étranger. C'est extraordinaire, ce constat. Ouais, je suis totalement d'accord avec vous. Il faut un travail profond là-dessus. Il faut faciliter, en fait. Mais il y a aussi des questions de sécurité qui se posent de plus en plus dans nos pays. Je peux comprendre, en fait, les politiques gouvernementales. Mais après, il faut qu'on aille plus loin. Il faut favoriser davantage, en fait, ce déplacement. Favoriser les coûts déjà des billets d'avion sont chers entre les pays africains. Il faut que les gouvernements puissent travailler, en fait, sur cet aspect de choses. Les visas entre pays africains, il faut pouvoir, pour aller au Cameroun, on a payé en fait la raison pour le visa. En fait, ce n'est pas forcément quelque chose qui est simple. Donc, il faut un travail profond pour faciliter ce brassage réel qui va nous permettre d'amorcer le développement tant en fait. C'est important qu'on travaille entre nous. Je suis totalement d'accord. C'est aussi intéressant que les jeunes ne soient plus uniquement que dans le service. Absolument. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus dans la transformation. Parce qu'on va se développer que par la transformation. Oui. Il faut qu'on puisse transformer nos produits. Il faut qu'on puisse les consommer, en fait. Donc, oui, ils sont de plus en plus présents dans la transformation, dans beaucoup, en fait, de la transformation agroalimentaire, la transformation laitière, ainsi de suite. Donc, oui, ils sont le service... est soutenable, mais après, la transformation va rester le moteur qui va permettre en fait de faire décoller en fait le développement de l'Afrique. Il y a aussi que l'Africain cherche le marché ailleurs, alors que le marché de consommation, il est sur place. Absolument. Ça fait partie de nos problèmes. En fait, ça fait partie de nos problèmes, nos réalités. Le marché de consommation... Je retourne toujours sur l'aspect de confiance. En fait, quand on va produire un jus importé par rapport à un jus qui est fabriqué au Bénin, psychologiquement, en fait, les gens préfèrent ce qui est importé. Donc, il y a déjà, on doit se faire confiance et prouver à l'autre qu'on peut consommer son produit. Soutenir, en fait, l'entrepreneuriat en Afrique, c'est consommer, en fait, la production locale. Ce n'est pas forcément injecter de l'argent, c'est pousser, en fait, à une grande production en consommant local, c'est de faire en sorte que nous puissions nous faire confiance. Faire confiance, parce que la confiance entre nous va amener la confiance dans les produits et va amener en fait le développement des petites et moyennes entreprises et ainsi de suite. Donc voilà ce que je peux vous répondre. Oui, c'est vrai qu'on demande à ce que les jeunes travaillent pour l'Afrique et avec les Africains, mais est-ce que les organisations, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient culturelles ou économiques, est-ce que ces organisations arrivent à appuyer, je dois dire, les jeunes dans leur pays? On prend par exemple la CEDEAO, on prend par exemple la BOAD, etc. Est-ce que ces structures financières arrivent quand même à appuyer des envies, des projets, etc. de jeunes au-delà des frontières de leur pays? Alors, ce qu'il faut déjà dire pour être plus précis, c'est que la structure du financement en fait en Afrique, compte tenu du niveau de risque, en fait, n'est pas, les institutions financières ne viennent pas forcément pour financer la création. Ils viennent pour financer le développement, c'est-à-dire... financer une entreprise. La construction de nos routes, la construction d'un hôpital, c'est tout ce qu'ils font. Au-delà de ça, financer une entreprise naissante n'est pas chose simple. Ok. En fait, pas du tout. Ah c'est ce que je veux dire. Une entreprise naissante, une idée, c'est encore très loin. Jusqu'à une entreprise naissante, ce n'est pas simple. Ce qu'ils financent, c'est une entreprise construite, en fait, qui veut se développer. Pour compte tenu du risque, en fait, pour apprécier le niveau du risque. Mais je vous rejoins pour dire, aujourd'hui, on ne pourra pas se développer comme ça, on doit aller plus loin. Les politiques publiques doivent s'impliquer pour que le financement puisse descendre à des cibles qui ne sont pas en fait forcément éligibles au financement classique. Voilà. Mais je pense qu'au niveau du Bénin, il y a une série en fait de choses qui se met en place progressivement. Il faut du temps, ça se compte dans le temps, et qui facilite en fait déjà ce genre de choses. C'est vrai que les résultats ne sont pas forcément tout de suite palpables, mais il y a par exemple la création de l'agence de développement des petites et moyennes entreprises, la DPME, qui a fédéré en fait un ensemble de structures qui intervenaient pêle-mêle avant dans l'entrepreneuriat, qui a tout un mécanisme en fait d'analyse, de formation et de financement pour les projets des jeunes. Après, il faut aller plus loin, comme j'ai l'habitude de le dire, pour pouvoir permettre à l'idée des jeunes de pouvoir se mettre en place pour que les talents puissent se développer, afin qu'on puisse... C'est la seule manière pour qu'on puisse lutter contre le chômage. Moi, j'ai l'habitude de dire, il faut mettre en place un cadre qui permet de détecter les talents
et faire de ces talents des champions qui vont pouvoir créer des entreprises prospères et pouvoir employer les autres. Le discours que nous menons en disant à tout le monde d'aller entreprendre, où on laisse les gens finir en fait les études, et quand ils finissent d'étudier, on les regroupe dans une salle de classe parce qu'il n'y a pas de travail pour leur dire aller entreprendre, ça n'a pas marché hier, ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne marchera jamais. Dans les pays africains, même dans d'autres pays du monde, plusieurs milliards ont été injectés dans ce discours. C'est devenu pratiquement pour d'autres personnes un fonds de commerce. Parce que quand on amène un chauffeur, quelqu'un qui n'a jamais conduit une voiture pour parler, pour enseigner à une autre personne comment conduire une voiture, c'est évident en fait que ça ne fonctionnera pas. Donc c'est ce qui s'est passé ces derniers années, partout dans le monde d'ailleurs, et puis sans résultat ou qui a produit peu de résultats. Il faut changer en fait le paradigme. Je pense que le Bénin, quand même à la matière, a compris un certain nombre de choses et est en train de mettre en place plusieurs mécanismes qui vont faciliter ce dont je suis en train de parler. Alors, il y a que vous avez une initiative qui permet quand même d'ouvrir certains jeunes à l'international. Quel bilan faites-vous de tout ce que vous avez fait jusque-là? Les résultats sont là. Les résultats sont visibles. On a fait deux semaines d'opportunités. Notre initiative s'appelle la semaine d'opportunités aux entrepreneurs. On a fait deux en Turquie l'année dernière. Les résultats sont là. On ne va pas en Turquie pour dire, bon, nous venons pour acheter des choses. Nous partons en Turquie avec des jeunes, en fait, pour négocier des accords de partenariat avec des entrepreneurs. On a fait venir, en fait, déjà deux éditions ont suffi pour faire venir sept médecins ici au Bénin, en fait, dans la logique du transfert de compétences. Et je peux vous assurer que les deux expéditions qu'on a faites sur la Turquie vont permettre, en fait, de gérer des acquis pendant 5 ans. Dans le domaine de la santé, dans le domaine universitaire, dans le domaine de la formation technique et professionnelle, dans le domaine de la beauté et de l'esthétique, dans le domaine de l'électricité, dans plusieurs autres domaines. Alors, notre initiative, en fait, ça évolue. Toute la différence dans ce que nous faisons par rapport aux autres, c'est que nous, la chemin d'opportunité aux entrepreneurs, ce n'est pas une foi, ce n'est pas la participation, c'est une rencontre d'entrepreneurs de haut niveau où on partage de l'expérience, on prend des contacts, on met en place des accords de partenariat qui se construisent dans le temps. Donc cette année, notre destination, c'est la Chine. Nous proposons... Pourquoi la Chine? Tout le monde va en Chine maintenant. Déjà, je voudrais vous dire la Chine parce que l'année dernière, le président de la République a fait un déplacement sur la Chine. Oui. Et il a rassuré les Chinois, il a balisé le terrain. C'est une opportunité énorme pour les entreprises. Aujourd'hui, les Chinois vont nous recevoir forcément autrement par rapport aux autres pays, compte tenu de ce lobbying fort en fait, que le président de la République a fait. Nous, on ne va pas attendre. Tout de suite, on s'engage, on ira en Chine. La Chine, si vous voulez, c'est un pays qui a fait d'énormes progressions. Le commerce représente 40% du produit intérieur brut. Vous avez un pays qui est premier importateur au niveau mondial, deuxième exportateur, et qui fait 1,4 milliard d'habitants, en fait, avec un pouvoir d'achat des populations qui s'accroît. On ne peut pas dire que les Africains ne peuvent pas vendre en Chine. Il y a beaucoup de choses qui se produisent au Bénin qui peuvent être... On aussi... se dit, bon, eux, ils ont tout à leur disposition. Pas du tout, pas du tout. Ça dépendra de la manière dont on présentera nos produits. Je n'ai pas envie de citer quelques produits. Nous, on travaille sur des produits made in Benin qu'on va présenter en fait aux Chinois en juillet prochain. En dehors de l'ananas qu'on transporte un peu partout pour... L'ananas a trouvé son chemin. D'autres produits aussi peuvent trouver leur chemin. Avec, forcément, avec bien évidemment le même lobbying. On va présenter aux Chinois dans des cadres très 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 structurés en fait d'autres produits made in Benin. Et nous pensons que nous, par cette initiative, nous pourrions conquérir en fait le marché chinois. Après, les Chinois ont fait d'énormes progressions dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Ils ont fait d'énormes progressions dans le domaine de la technologie. Ils sont champions au monde aujourd'hui dans le domaine des énergies solaires, la transformation agricole. Nous partirons en Chine avec des personnes qui sont dans ce domaine-là. Grâce en fait à nos partenaires locaux en fait en Chine, grâce à notre partenaire au Bénin, Gotha Voyage, qui est bien introduit en Chine, nous allons pouvoir faire une présentation de l'opportunité Bénin. Nous ne venons pas en Chine pour dire que le Bénin est le dernier pays au monde, il faut venir nous aider. Nous partons en Chine pour dire que le Bénin aujourd'hui est une opportunité en matière d'entrepreneuriat des jeunes. Venez nous voir et pour voir ce que nous faisons ici, pour voir dans quelle mesure on peut collaborer ensemble. C'est dans cet esprit que le respect va s'établir. On ne va pas quand même nous-mêmes renégocier notre forme de colonisation. Oui, très sérieusement. Et dire, aller en Chine, se promener partout, aller dire, venez acheter des machines, venez. Ça ne va pas se passer comme ça. On va en Chine pour dire aux Chinois, nous voici des jeunes entrepreneurs africains, béninois. Voici ce que nous faisons chez nous. Voici ce dont nous avons besoin. Voici nos forces, voici nos faiblesses. Ça, c'est très important. Après, les Chinois n'ont pas tout. Évidemment, le fait de faire croire à une personne qu'il a tout est une erreur. Les Chinois aussi ont des limites.
Ils ont des qualités comme des défauts, comme tout le monde. Donc, nous irons en fait voir les Chinois. On va présenter le Bénin, visiter ce qu'ils font, leurs entreprises, visiter les usines. Mm-hmm. Et on va les inviter au Bénin ici dans le mois de septembre-octobre. Mm-hmm. Ils viendront au Bénin. On va faire le tour des entreprises en fait qui ont participé à cette initiative. On va travailler ensemble pour consolider les liens. C'est ainsi que le respect va s'établir. Mm-hmm. Alors, pour finir, la semaine d'opportunité aux entrepreneurs est totalement particulière. Il ne faut pas la confondre à des voyages aussi. Ce n'est pas du tourisme. Alors que c'est une occasion de voyage de jeunes gens qui ont un surplus d'économie et qui veulent bien passer de bons moments de vacances. Non, on a constaté qu'après notre initiative, il y a beaucoup d'initiatives quand même de ce genre. Moi, j'aime la concurrence. J'aime les initiatives. Ça permet d'établir plus rapidement la vérité. En fait, c'est beaucoup plus simple. Donc moi, je propose aux Béninois de suivre ce qui se passe la semaine d'opportunité aux entrepreneurs. C'est un avant, un pendant et un après. Ce qu'on a fait, en fait, en Turquie, on a vu, en fait, comment ça a été préparé. On a vu, en fait, le pendant. Et l'après, on a mis en lumière, grâce même à votre chaîne de télévision, tous les entrepreneurs, en fait, qui ont participé. Ils ont pu bénéficier de l'interview. Ils se sont exprimés pour expliquer ce qu'ils font pour leur donner de la visibilité. Donc, en gros, c'est ça, en fait, la semaine d'opportunité aux entrepreneurs qui reste un programme unique. Aïe Hassan, merci beaucoup. Merci, M. Tanguy. Je voudrais remercier Canal 3 Bénin pour son accompagnement permanent dans nos initiatives. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous bénisse et vous accompagne aussi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la deuxième partie d'Actu Matin. On va faire la pause.